Ah d'accord, on a été ouais, vous m'avez fait une phrase là, vous m'avez fait une phrase. Allez, on est tous ensemble. Ouais. Par contre, s'il vous plaît, silence, merci. Y'a pas de problème. Ah bah, vous voulez pas nous ramener. Hein. Ah, mais bon, non, mais là, on va faire la présentation, par contre, dans le calme, s'il vous plaît. Attendez, ouais. Moi, je crois que j'aurai ma mère. S'il vous plaît, les gens. Bon, bien là. Merci. Simon, au pire, mutez-vous si vous n'avez pas de push to talk. Voilà, ça sera mieux. Coucou les gars. Oh bah, je vous souhaite toute bonne chance à vous tous. Attendez, je dois redémarrer mon... Oui. On a compris. Ah ok. Est-ce que tout le monde est revenu? Non. Donc c'est parti, yep. Tous ceux qui ont Fraps, mettez Fraps. Ça y est. Ah, par contre, moi j'ai un petit problème, je lag quand je filme, fait que je vais annuler pour filmer. Tu filmes pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi qui filme? Halloween, tu filmes ou pas? Il faudrait au moins qu'il y ait une personne par team qui filme. Bah moi c'est bon. Moi en tout cas c'est bon. Moi je filme. Ok. L'event est pas commencé, je suis déjà canné moi. Putain, rien que d'organiser le truc. Hein? C'est pas que je veux paraître, mais déjà j'ai pété mon micro, donc là je suis avec mon micro de PC portable. Et d'accord. J'ai déjà une série en cours de KTP, donc... Ouais, moi ça dépend si je la garde prêt ou pas. Ah, Diamond, tu fais pas grave, on va faire trop court, dis-moi alors faudra que j'aille quelque chose pour les occuper. T'inquiète, y'a le jeu. De toute façon, je peux pas, il est bugué mon Fraps. Bah voilà, c'est une bonne. On y va, c'est bon, on fait la présentation. Allez, c'est parti. 3, allez, Super Rico. Salut les amis, c'est Super Rico. Donc je vais faire un peu le tour là des équipes. Rapidos. Donc ceux qui filment, ben, vous pouvez y aller. Donc ne vous mettez pas un nick, comme ça je vois les prénoms. Voilà. Salut. Donc là nous avons les Freaks, c'est ça? Ouais. Yes. Yeah. It's Halloween. Avec Anna, le Québécois. Titex et Diamond Crafter. Salut. Bon alors, salut, quelles sont vos ambitions les amis sur ce Kill the Bro? Mettre des saucisses dans le cul. Trouver des diamants, ok. C'est une option. Alors attention s'il vous plaît, là, attention du respect, beaucoup de respect pour les Warriors s'il vous plaît. Donc à commencer par Bill Bonsai. Yeah. Salut Bill, ça va? Salut, ça va. Donc là tu as une petite équipe bien sympathique, Mr. Branlix et Xiwix. Appelle-moi Xiwix. Xiwix, comment ça va les amis? Bien et toi? Galbert. Bon, quelle est votre ambition? J'imagine pas être dernier. Le fun. À gagner. Le fun d'abord. Bon, mais super. Bravo les gars. J'espère que vous aurez du fun. Ensuite, on continue chez les Bleus. Ce sont dans la Dream Team, s'il vous plaît. La Dream Team, j'ai nommé. Avec Emeric qui m'a piqué ma tronche. Il s'est mis en mauve. Ah, je sais pas ce qu'il nous a fait là. Super Mycose. D'accord. Super Mycos, c'est génial. Donc voilà, donc méfiez-vous de cette équipe, les amis. Donc là, pour moi, c'est les favoris. Donc je c'est les meilleurs. Et en plus, notre nom, c'est quand même les winners. Comment ça va, Flomars? Ça va super. Donc Flomars, double vainqueur de l'ABC. Il y a super. Eu deux éditions, il les a gagnées toutes les deux. Donc chapeau bas l'artiste, hein. Chapeau de paille bas. Emeric, donc qui a gagné. Deux Kills the Bro, un individuel et un en équipe. Chapeau bas l'artiste, bravo à toi. Et Drustan Gaming qui a gagné. Qui a rien gagné. Calife. Non, si, il a gagné une calife haut la main. Mais oui, c'est clair. Chapeau bas, donc là vraiment la Dream Team. Vous attention Rico, votre... n'oublie pas, nom. N'oublie pas ton papier de mouchoir pour essuyer tes larmes. Ensuite nous avons les Golders. Les Golders, donc c'est eux qui se font des tutes en or, soi-disant. Ouais. Ouais. Donc nous avons Miraidon, nous avons Thomas Gold et nous avons Tom 89233. Ouais. Comment vous allez les amis? Vous avez l'habitude de jouer ensemble peut-être, hein? Bah moi, Thomas et moi. Les tomes ensemble, c'est ça? Non, moi avec Miraidon. Ah, Miradon et un Thomas, un des deux Thomas. Ouais, voilà. Ok, super. D'ailleurs, oui, on vous voit tous les deux en gold, alors que Tom 89, lui, il est en vert. Ouais, voilà, ils sont seuls. C'est plus raccord comme ça pour les Golders. Ensuite, on passe à l'équipe Yellow, dont je me souviens plus le nom, les amis. Redites-moi. Osef. Les Osef. Ouais, je vais leur demander, c'est quoi le nom de votre équipe? Osef. Ok, c'est bon, adopté. Donc, nous avons Jean Bada, nous avons Bismo et nous avons Kaz. Bonjour. Comment ça va les amis? Super. Bon, super, alors, super. Quelle est votre ambition?
Quelle est votre ambition sur ce Kill the Bro? Aucune, on s'en fout. Bah, le gagner. Le gagner, vous jouez souvent ensemble, c'est très important ça. Oui. Que oui, d'accord, très bien. Donc, attention, là nous avons une particularité qui s'appelle Matisse Gamer, qui n'a pas de micro, il a voulu jouer tout seul, il a fait un peu son artiste, il a fait non, laissez-moi dans mon coin. Vas-y, il veut faire Mr. David. Je vais vous retarder. Donc il est dans l'équipe avec Matisse Gamer, et nous avons aussi LKG. Où es-tu, LKG? Approche-toi de moi. Oui, là. Approche-toi de moi, LKG. Voilà, il est là. Non, ça c'est Flomars. C'est Drostan, voilà, super. LKG, pareil, lui c'est plutôt parce que ben voilà, il y avait personne avec qui se mettre. On était 24 prévus, on est une vingtaine, je crois. Ouais, c'est ça, 3 x 6, 18, et 2, 20. Ils auraient pu se mettre ensemble, mais bon, Mathis ne voulait pas. Et LKG a dit, ben moi ça me dérange pas de le faire tout seul, je vous prends tous un par un, les amis, et même par équipe. Donc LKG, attention. Moi, tout mon objectif, c'est de pas m'endormir cette fois. Voilà, il faut se méfier de LKG parce que il a failli gagner une qualif, il a été plusieurs fois classé sur l'ABC. Donc c'est un candidat très très sérieux. Même tout seul, il déménage. Hein. Moi je l'ai vu sur un serveur. Je l'ai vu sur un serveur où on commençait tranquillou, tu vois, lui il avait déjà des stacks de diamants et tout. Donc c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, donc méfiance de LKG. C'est pas parce qu'il est tout seul qu'il a déjà perdu, les amis. Je rappelle, oui, quand même une règle très importante pour ce Kill the Bro, que à la fin, même si c'est une équipe qui gagne, les gens devront s'entretuer de manière anarchique. C'est-à-dire qu'au début, on avait prévu, enfin, j'avais pensé faire une petite arène, etc. Il gagne et puis direct, il se fight, quoi. Voilà. Dès qu'on sait qu'il gagne, il se fight. Ils peuvent même se fighter avant, s'ils veulent. Mais ça vous regarde. Hein. Ça vous prépare à l'Anarchy Block Challenge. Ah oui. Et il manque une équipe, hein, les rouges. Ah, les rouges, sont où les rouges? Les raids, bah, les raids, ouais, c'était quoi? C'est un petit peu toi, en fait. Non, les raids, c'est quelque chose. Mec, il s'est oublié, voilà, un designer un jour. Alors, les rouges, c'est ceux qui vont se faire tuer en premier, c'est simple. Poussez-vous, c'est qui celui-là? LKG, pousse-toi. Donc voilà, évidemment, les meilleurs pour la fin, mais vous l'avez compris, les amis. Vas-y, super éco. C'est un rassou, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça, souvent les winners se font huer. Calme-toi, Damien. Mais après on se fera acclamer. C'est la gloire. S'il vous plaît. Merci pour ton griffe. Ouais. Griffe, tu veux te présenter un peu? Non, pourquoi? Je suis le fondateur de DigiWave. On va faire équipe ensemble. Avec Jav. Non, j'ai pas changé. Mais non. Fondateur de DigiWave, les amis. Jav, tu veux en parler aussi? Il est pas bugué, il est pas bugué. Je peux te faire un support. DigiWave, au fond des. Jusqu'au fond des yeux, comme dirait l'autre. Patriotisme avant tout. Exactement. Donc voilà, donc nous, on sera la team DigiWave. Alors moi, je suis pas que DigiWave, je suis BBT aussi. Mais bon, c'est vrai que je live tous les dimanches, les amis, placement de produits. Donc voilà, donc nous allons constituer la team DigiWave. Ça fait sa pub. Et c'est la DigiWave qui retransmettra certaines qualifs de l'ABC, de la Merchy Block Challenge, et évidemment la finale. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent passer à la télé, inscrivez-vous au qualif de l'Anarchy Block Challenge, et vous aurez une chance d'être connu pour ceux qui ont des chaînes YouTube et autres. Mais c'est surtout du fun, quoi. Hein, c'est surtout du fun. Super Rico, écoutez, hein. Oui. Tu n'as pas expliqué les règles du KTB. J'avoue. Alors les règles du KTB. C'est on démarre tous en ultra hardcore, c'est-à-dire si vous avez des dégâts, vous nourrir ne vous permettra pas de vous soigner. Ça ne fera pas remonter la vie. Ce qui peut vous faire remonter la vie, c'est les pommes en or et les potions. Voilà. Concernant les potions, les levels 2 sont acceptés ou pas? Les quoi? Les levels 2. Level 2, je crois que oui. D'accord. Je crois que oui, parce que c'est le. Une potion de régène que les gaz te drop. Enfin, l'arme gaz. Ouais, je pense que le. On fera ce que le plugin nous permet. Donc tout à l'heure, je me souviens qu'il y avait un gaz qui avait spawné.
Il y avait un gars qui a spawné, il a tapé de l'or. Pas loin de ouais, mais... les gars. Une deuxième question, Nico. Oui. A-t-on le droit de piéger le Nizam? Non, ça c'est de la merde. Normalement, oui. Non. Vos activités seront filmées, donc on va dire que non, parce que c'est quand même assez dégueulasse de piéger le portail du Never. Donc voilà donc. Nous sommes adeptes de cette stratégie. La règle est posée à l'unanimité, quasiment, j'ai envie de dire. On ne piège pas le portail. Merci. On ne piège pas le portail. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a une autre déclaration à faire importante, je parle après évidemment. Après 3 quarts d'heure. Oui, je vais te marier. Je vais faire de la publicité pour ma chaîne. Les oranges qui sont ici vont gagner. Donc, voilà, on est parti avec 32 minutes de retard. Les jaunes, c'est la couleur des pommes d'or. J'ai une petite question. Voilà. Oui. On y va. Moi, It's Halloween. Est-ce qu'on est en Eternal Day ou pas? Non. Ah. D'accord, très bien. Et après 45 minutes de retard, on va pouvoir commencer. Non, non, 39. Soyons précis. Quoi qu'il est. Personne n'est moi, il est encore debout. Il est d'abord comme la ville, bravo. Alors on est parti. On y va. Allez, bonne chance tous. Pour ceux qui demandaient comment ça allait se passer, normalement. Mouvez dans les channels. Normalement, à partir, voilà. À partir du moment où je vais cliquer sur Start, vous pourrez aller dans votre channel si ça se passe bien. Ok. Et vous serez donc téléporté chacun à un spawn aléatoire. Tous les trois, enfin tous les gens de la même team. Et donc voilà, c'est parti les amis. 3, 2, 1. Et oui, hey, bonjour. Bonjour à tous. Ouais. Hello. C'est parti. Alors, allez les bleus. Allez les bleus. On est tous ensemble et on veut gagner. Voilà, on est tous ensemble, la France est debout. Voilà, c'est le grand jeu. Alors, qu'on se présente un peu quand même. Ouais. Donc, on est qui? Vas-y, vas-y. Flomars, tu es qui? Vas-y. Je suis Flomars, youtubeur de 17 ans et j'essaie de gagner, comme tout le monde. Voilà, il s'appelle Florent, il est marseillais, donc voilà. Voilà, c'est simple, rapide, efficace. Drustan, tu es qui? Je suis Drustan Gaming et je fais des jeux sur Mac principalement. Et voilà, un peu de série RP. Voilà. Et puis sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien d'autre? Et sinon, tu sais très bien imiter Abraham Simpson. Je suis le meilleur de tous les Abraham Simpson. Voilà. Bravo, bravo. Voilà. Et donc, moi, c'est Alpheus. Je suis le seul qui filmera pas cette. Cette magnifique partie avec ces deux joyeux lurons. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, mais vu que je fais plus rien dessus, ça sert à rien de dire quoi que ce soit dessus. Voilà. Et, ah si, de temps en temps, tu mets des vidéos. Ouais, de temps en temps, je mets des vidéos, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, enfin, même les Westin. J'ai trois chaînes. Voilà. Avec des waiting screens, ouais. Ouais, sinon j'ai fait des waiting screens, machin. Donc là, on récupère du bois. Ouais, et on a beaucoup de chance, parce qu'il y a des cochons un peu partout. Un peu éparpillé partout, donc ouais, on a déjà pas ça, mal ça, de ça, des bouffe. Cochons, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est des pommes. C'est vrai, mais il nous faut quand même de la bouffe pour survivre. Ouais, il nous faut de la bouffe, mais quand même, les pommes, voilà, quoi. T'sais. Ok, est-ce je que, me charge de la bouffe. Est-ce que dans les plaines, comme ça, enneigées, est-ce qu'il peut y avoir des pommes? Oui. C'est étonnant. Ça dépend des arbres, en fait. Bah là, des c'est deux hacks, ça. Ça, c'est deux hacks, donc c'est bon. Ah, d'accord, du haut. Tant que c'est pas des. Tant que c'est pas des sapins, ça bon, ça marche. D'accord. Là, par contre, je suis sur un énorme arbre. Je vais me faire une petite table. Oh, comment ils sont en train de sauper. Oh. Oh, la triche. Voilà. Bah, il y a quelqu'un qui est mort. Ah non, il y a personne. Non, c'est juste qu'il y en a, ils sont bloqués au spawn. Voilà. Bon, sinon ça va les jeunes? Ça va, ça va. Oui, ça va. Est-ce que vous êtes content de faire équipe? Bah oui, eh. Je suis content d'être avec les gagnants, moi. Ouais. C'est plutôt nous qui sommes avec le gagnant, parce que bon, quand même, hop, Flomars. Le aussi, magnifique. T'as quand même gagné le 4TB. Ouais, enfin j'en ai gagné 2 sur 5. Une fois en équipe, donc ça relativise un peu, tu vois. Voilà. Alors, j'essaye de couper l'arbre entier, tu vois, pour ramasser les pommes. Mais bon, je crois que je vais arrêter parce que je vais perdre du temps. Ok. Hop. Alors, t'es où? Bah, moi, je suis en train de couper un arbre, mais j'ai toujours pas de pommes. Hein. C'est très énervant. Ah, si, moi, j'en ai récupéré une. T'en as une? Je crois que j'en ai une. Ça va être une. Fou.
Ouais, il nous en faut une vingtaine. Ouais. Je dirais. D'accord. Histoire d'en avoir trois chacun, c'est déjà bien. Donc ouais, plutôt une dizaine. Vous m'entendez correctement ? Oui. Ouais, nous t'entendons super. Très bien. Je viens d'enlever mon push to talk et c'était pas pratique. Ouais. C'est vrai que c'est pas pratique. Voilà. C'est vrai que c'est pas pratique du tout même. Mais oui, c'est donc, clair. Allez les bleus ! On est tous ensemble ! C'est le grand jeu ! La France est debout ! Notre passion toujours nous rassemble ! Allez les bleus ! On est tous avec vous ! Voilà. Ouais. Je sens pas, je connais pas la musique. Moi j'ai la peine de l'apprendre, tu sais. Okay. C'est Johnny, comment ne pas connaître Johnny ? Bah alors moi je vais récolter un peu de pierre du coup. Pareil. Pierre présent. Voilà. C'est parti. Ouais, donc allez récupérer en bas, moi je vais essayer de récupérer des pommes. Il y a de la canne à sucre, je vais récupérer aussi. On peut toujours faire une étape d'enchantement. Avec. Donc il n'empêche que ça fait déjà 5 minutes qu'on est sur la map. Super vite. C'est n'importe quoi, ça passe à une vitesse monstre. Donc pour gagner, c'est très simple, notre stratégie c'est de buter tout le monde. Voilà. Une stratégie voilà. Comme tout le monde. Bah disons que c'est la stratégie classique, hein, quand on fait un KTB, c'est toujours ça. Ou un KTP, parce que là en plus c'est marqué The Patrick à côté. Alors, nous ne sommes pas du tout des Patrick, hein. Faut le savoir. Voilà, c'est ça. T'es il faut le savoir. Patrick, toi, Flomars, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. Entre temps, on sait jamais, hein. Non, parce que au cas où, voilà, Pierre t'as fait une proposition indécente et voilà. Et voilà. Je suis pas assez connu pour ça. Connu. Moi, je vous fais des. Disons que 700 abonnés, ça ne suffit pas. Oh. Tu sais, le monde ne suffit pas. C'est le titre ouais. Alors t'es où, Emeric ? Je te passe pioche et... Je suis en train de péter un arbre et j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Tiens, j'ai ça et pour j'ai toi. J'ai énormément de bois, c'est bien. J'ai 40 de bois, c'est cool. Ouais. Alors tiens, Emeric, c'est pour toi et c'est pour toi. Voilà, je t'ai donné. Là, en plus, je vais forcément me casser la gueule. Je vous cherche un peu, moi, je sais pas où. On est vers un arbre géant qui est maintenant... Un géant. Ouais, on est dans la neige. Ah, je le vois. C'est un peu défait le truc. Allez. Il a commencé à faire cuire de la bouffe, moi, demande. Ah, t'as une épée et tout ou... Ouais, je suis bien là. Ok. Ça, je balance. Ça, on bouffe pas. Je le vois, Justin. Hop. Ah, hop. Bien, tu m'as filé de l'équipement. C'est cool. Ouais. Ah, une pomme. Une pomme. Ça nous en fait deux, du coup. Père. Ça nous en fait deux. En plus avec ses gros bien, arbres. Je bien de commencer comme ça, par contre je serais vous, j'irais quand même à éliminer un peu. Ouais. C'est parti. Alors, on est en ultra hardcore, c'est ça ? Donc les points de vie ne remontent ouais. pas. Ouais. Donc les points de vie c'est que les pommes en or, d'où okay. les pommes. Et d'où après faire attention. Alors faire attention aux dégâts de chute. Ouais. Ouais, il va falloir faire très attention aux dégâts. C'est pas plus de deux blocs qu'on peut sauter, je pense. Si ma mémoire est bonne. Ah. Hop, alors je vais miner. Là il y a deux. Du charbon. Moi je vais aller buter du cochon aussi. Déjà 19 côtelettes de mon côté. Y'a personne pour régler ce problème de game mode ? Je ne sais point. Alors est-ce qu'il y a du fer ? Je sais pas du tout où vous êtes, où vous avez commencé à creuser donc. Il est dans une montagne moi. Ouais, pareil, ouais. J'ai commencé à creuser. Voilà, j'entends des mobs. J'ai entendu une araignée. Là, je suis en train de buter des cochons pour nous faire de la bouffe. J'ai 10 côtelettes pour l'instant, je vais en avoir plus après. Vous en avez combien, vos côtelettes ? J'en ai 2, mais elles sont pas cuites. Ouais, pareil. J'en ai 2 cuites. J'en ai 2 cuites si vous en voulez. Bon, Pierre, là, je vais en trouver. C'était bon. Table de craft, s'il vous plaît. Hop. Alors, le truc, c'est que étant super mycose. Forcément, ça va extrêmement vite à me repérer. Merci. Parce que c'est pas forcément fait. Enfin voilà, si j'étais dans un troupeau de cochons, pourquoi pas. Mais alors autrement, c'est pas super pratique. Donc voilà. Ouh. Et j'ai pas de pommes en plus. Alors moi, bien sûr, j'attends la mort de Rico. Hein. Ah ouais.
la fameuse mort de Rico. Je pense que c'est quoi? Ouh, là, il y a des lags, là. C'est un must-have. Un must-have dans une série avec Super Rico, c'est le moment où il meurt. C'est comme Guadas, un peu. Guadas, le seul moment que t'attends dans une série, c'est le moment où il meurt. Le reste, on s'en fout, en fait. Ça. Non mais Guadas c'est pire que ça, c'est que des fois on encourage même la mort, tu vois, c'est assez terrible. Ah, sur les c'est bon, j'ai dû faire. Rico aussi. Sur les lives de Rico, oui, mais c'est plus drôle. Ouais. Sur le live de Rico, on attend qu'il meure en faisant une connerie. Alors du voilà. Coup, on peut voir les points de vie des personnes en faisant tab. Donc on voit que... Absolument. C'est ça. Déjà, il y a Bilougas, donc Jaff qui a perdu des points, il y a Tom qui a perdu des points, et il y a Anantitex qui a perdu des points. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça va. Pour l'instant, on est bien. Voilà, on est tous ensemble. On est posé sur le canapé. Regarde la télé. On regarde la télé. C'est exactement ça. Alors, hop, je récupère la deuxième pomme. Très bien. Donc pour l'instant, deux pommes, bien. Ouais, j'en ai une aussi, donc ça nous en fait trois. Trois du coup. Donc trois, très bien. Comme ça, quand on aura du truc, de l'or, on pourra les récupérer. Moi, je mine pendant ce temps-là. Alors, par contre, vous êtes par où? Je mine bah, regarde, à ta gauche. Il y a une grande... À ma gauche. Voilà, j'ai même des côtelettes pour toi. Oh, Flomars. Bonjour. Ah, bonjour, Flomars. Tiens, attends, voilà. Moi, je vais te passer les pommes. Donc, les pommes. Merci. Non, j'ai 11 sphères, 12 maintenant. Et je vais faire cuire tout ça. J'avais mis stick. Voilà, bon, alors, donc tu es où? Bah, suis-moi. Au même endroit que Stan. Ah oui, il y a marqué Drustan, là. Drustan Gaming. Drustan Gamin. Mais oui. Ah, la nuit est en train de tomber. Drustan Gamin. Et on n'a pas de torche? Si, bah, j'en ai quelques-unes, ouais. J'en ai 15, d'accord. On peut éclairer où on est. D'accord, voilà. Ah bah attends, là, il y a du charbon, là. Oui. Je suis en train de miner. Déjà ça. Je vois presque plus rien. D'accord, ok. Mais tranquille. Moi j'irai plus facilement par là. Quand il va falloir trouver un signe pour savoir dans quel sens on va au niveau des. Justement, des torches. J'ai trouvé. On les pose à droite. On les pose à droite, toujours. Ouais. Alors, j'ai trouvé une faille. On pose des une faille. Ouais. Ah bah c'est super ça. Avec plein de lave, c'est super. On arrive. Fais gaffe. Alors, attention, ah oui. On agrandit l'ouverture. C'est vraiment. Faites surtout très très gaffe aux saloperies de. Du creeper. Y a pas les succès. Quoi? Les succès. Succès. Ah, succès. Oui. J'avais mal compris. Ah, on est en 1.6, c'est normal. Arrête, Rust. Ce rire est ridicule. Oh non. Attends. Je vais chercher toute la bouffe, je vous rejoins. Moi, je vais essayer de descendre dans la montagne. Fais gaffe. Oui, bah t'inquiète, je fais gaffe. Ah bah, Drustan, bah. Bon, d'accord. Bah oui, c'est clair, hein. Alors, du coup, j'ai. C'est clair, hein. Mais oui, c'est clair. Hop. Eddie Malou. République démocratique du Congo. Le premier savant de la République démocratique du Congo. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... Je vais mettre le four, comme ça, on va se faire un saut. Voilà. Ah oui, très bonne idée. Oh. Vous éclaire. Ok, je te laisse faire, Emeric. Je vais pas rester dans tes pattes. Ah bah oui, ça marche moins bien si je mets pas de charbon, en fait. Alors, ouais, il y a énormément de lave en dessous, par contre. C'est un immense okay. Lac. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais faire des torches, parce que j'en ai besoin. Oh, pardon. Oups. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, rien. Non, c'est pas tapé. Pas encore. Alors, regarde, tu sais, les points de vie. Super Ico est à 20. Enderman. Le regarde pas. À moins est-ce que tu sois dans un endroit... Protégé. Caché, tu vois, voilà. Protéger. Ouais. Merde. Mais il va nous falloir récupérer des minerais. Non, mais tu le regardes pas. Et tu t'approches pas trop des fois. Je vois du fer de là.
Moi je fais un saut. Pas mal de fer. Moi je vais essayer de descendre jusqu'à ce que je trouve un... Comment dire? Ah, ça lag. Ah. Moi ça va. Moi ça vient de laguer là. Ah, il y a plein de fer. Faites très attention au gravier aussi. Ouais. Là c'est... Donc moi je vais essayer de descendre jusqu'à ce que je trouve une grotte. Alors... Faut juste la source d'eau, tu sais. C'est extrêmement dangereux ce qu'on fait. Ah, mais on est winner. On va essayer de passer quand même. Mais moi, je sais pas si je vais remonter par le même endroit, hein, parce que... Pff, c'est chaud, hein. Ah, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, en hop. Plus. Hop. Point torche. Oh putain, ça fait tellement peur. Allez, mec. J'entends une chauve-souris, tu sais, en train de crever. Voilà, on est safe, il y a de l'eau juste en bas. Ouais. J'ai un seau d'eau ? Ouais, j'ai pas de seau d'eau. Si vous pouvez venir par chez moi, parce que là, j'ai vraiment extrêmement peur. On a qu'un seul seau, en fait. Ouais. Ouais. Il faudrait sécuriser toute la lave. Et c'est parti, on va chercher cette eau. Ouais. Bah sinon, vous prenez du fer. Ah, mais c'est bon. Un seau immédiat. C'est bon, j'ai la source d'eau. On va d'abord sécuriser la lave, je pense. Pas des mobs ou non? Si, ah bah si, moi j'ai un normal. Ah oui, c'est vrai. Ah, attends, je vais prendre des torches là. Ok, je prends plus. Oula. Alors, donc je suis presque en bas. Bah, nous on est en bas. Ouais. Je suis pas tout seul, je suis pas tout seul. Comme une clope dans un paquet de clopes, comme une frite dans un cornet frit. J'avance, je te vois Aymeric, je tombe pseudo. Ah bah si tu peux... Ouais j'arrive, je vais chanter. Très bien. Très bien. En plus, tu vas pouvoir me faire une pioche parce que je n'en ai plus. Je viens de viser la mienne. Ok. Ah, merci. Je suis là. Regarde. Vas-y, saute. Je saute. Ah. Alors, tiens. J'en ai une, mais en pierre. Il. Là-haut, il y a un... Pourquoi il est bugué? Là, il y a du fer, là. Et oui, il y en a partout. Bah, je vais essayer un truc. Elle est partie où l'eau? Bah, y'a plus d'eau? Bon bah, faire gaffe du coup. Y'a plus d'eau. Ok. Alors, moi je sais pas si ce que vous en pensez, mais je vais faire des échelles. Ce sera okay. 10 fois plus pratique. Ah, par contre, ça c'est chaud. C'est la lave. Hop. Fais gaffe, ça prend feu. Hein. Ça prend feu? Ouais, depuis tout à l'heure, il y a du feu. Ah, oui, je l'ai vu, ouais. Il y a des gens en pantalon. Wow! Regardez pas. Il a l'air d'un con. Ouf. Non, je suis pas tout seul. Non, je suis pas tout seul. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de brûler le Norman. Il m'a fait peur ce con. Ah et par contre faire gaffe ça prend feu. Je récupère. Attends. Alors moi je vais à l'autre côté. Ouais. Hop. Ah merde ça... C'est une deuxième faille. Putain non. On a de la chance. On a pas de vrai. La chance. Tu vois de feu. Elle a l'air plus petite quand même. Ouais, elle est plus petite, mais quand même, elle a là, c'est. Faut avouer, on a de la chance là. Elle est passée là. Y'a pas d'eau là-dedans. Oh putain, y'a Enderman. Je l'ai regardé. Non. Dégage. Non, c'est bon. Ok, de l'eau là-haut. Y'a des gens en pantalon. Arf. Attention, ne me frappe pas. Y'a un chien qui suit un camion poubelle. Il a l'air d'un con. Non, je suis pas. Il est pas tout seul. Voilà.
ça va bientôt être la fin de l'épisode, hein, 1 minute 30 là. Déjà. Ouais. Donc ça va, on a quand même fait de sacrés trucs, trouver une faille comme ça, aussi vite, moi je dis bravo. On est les winners, on mérite notre titre. J'aurais besoin d'un peu de bois, les gens. Ah, attends, j'en ai. T'es où ? Je suis... On avait posé le four. On avait posé le four, d'accord, ok. Ouais. Bah, je suis à côté de l'échelle. Ok, y a de l'or. Bah attends, on monte. Je te le passe. D'accord. On veut combien de bois ? Très peu. Juste de quoi me faire des sticks pour une épée en fer, en fait. Moi, j'ai trouvé de l'or. Donc la petite faille. 19 côtelettes, je sais pas si t'en veux. Pour l'instant, ça va, moi. Hop. Encore de l'or. Bah, c'est super, l'or. Hein. L'or de se réveiller. Monseigneur. Hop. Et l'or. Et si je me mets dans une zone sécurisée et que je le bute, l'Underman, ça va ? Ouais, mais faut que deux de haut. Ouais, c'est ça. Gaffe. Voilà, il s'énerve. Je récupérais ça. J'ai une pioche en fer. C'est bon. En plus, c'est des sacs à PV, ces machins. Ouais. Encore un ici. Putain. Mais allez, décède. La vache. J'arrive pas à le buter. Il est trop loin. Ah, fin de l'épisode 1. A tout à l'heure, les gens. A tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Demain ou après, on verra.